Bienvenue dans Passons mon avocat, l'émission, votre émission, lors de laquelle on évoque bien des problématiques, des problèmes, mais surtout, des solutions. Aujourd'hui, ben, beaucoup de gens me posent la question, ils disent voilà, j'ai eu un petit accident, enfin quand même pas si petit que ça, et j'ai quand même quelques problèmes parce que j'ai une jambe cassée, etc. Et le problème, c'est que la personne est partie, on n'a pas pu l'identifier, ou encore elle n'était pas assurée. Qu'est-ce que je peux faire? Parce que j'ai certes une assurance, mais de toute façon, la personne donc, qui devrait être assurée, ou qui doit l'être, ou en tout cas qu'on n'a jamais pu reconnaître parce qu'il est parti, eh bien, ne pourra pas m'assurer. Qu'est-ce que je dois faire? Je suis vraiment très embêté. Et là, heureusement, il existe justement, depuis 1951, le fonds de garantie. Ce fonds de garantie qui est basé donc sur une cotisation de chaque assurance notamment, eh bien, prévoit, permet justement de payer les dommages, notamment corporels, des victimes d'une personne qui a une voiture, qui a fait un accident et qui n'est pas assurée ou encore qui n'est pas identifiée. Alors évidemment, il y a des conditions, c'est comme tout, mais normalement c'est assez efficace. Et il faut savoir d'ailleurs que, imaginons que vous avez un accident dans la communauté européenne et que là vous dites, bah oui mais... Attendez, ça c'est valable en France, mais moi j'ai une difficulté. C'est que de toute façon, c'était pas en France. C'est par exemple, je sais pas, moi en Belgique, comment je vais faire? Eh bien, ça marche, vous êtes français, vous bénéficiez de cette protection. Alors, pas dans tous les pays du monde, uniquement les pays de la communauté. Mais oui, mais c'est bien intéressant tout ça. Mais moi, j'ai été victime d'un accident grave, où justement j'ai eu quelques problèmes, à cause d'un animal. Donc certes, l'animal ne sera pas identifié, nous sommes bien d'accord, mais le fonds de garantie va intervenir. Et parce que c'est comme ça, c'est la loi qui le prévoit depuis 1951. Il y a beaucoup d'évolutions et aujourd'hui, on tend à élargir justement cette garantie. Alors, on va me dire, oui, mais alors comment faire ce fonds de garantie? J'en ai jamais entendu parler ou vaguement, comment ça marche? Allez voir votre avocat, de toute façon. L'assurance, logiquement, doit s'en occuper et votre avocat également. Et puis, on me dit, mais est-ce que c'est efficace? Mais bien sûr que c'est efficace. En principe, c'est le principe de la réparation intégrale, et ça c'est important. Donc logiquement, même si les choses ne sont pas aussi simples que ça, eh bien on devrait être réparé de la même façon que si la personne, alors pas l'animal, en tout cas avait une assurance, ou par rapport au cas prévu dans la loi. Alors attention, j'ai bien attention, mais en général, vous êtes forcément bien entouré, n'est-ce pas, par votre assurance, ou par votre avocat, j'en suis certain, donc je le dis quand même, mais bon... C'est intéressant parce que vous êtes toujours bien entouré, et notamment votre avocat qui vous dira attention, il y a un délai entre 1 an à 3 ans. Donc si la victime est, si la personne est identifiée qu'elle n'a pas d'assurance, c'est 1 an, et si elle ne l'est pas, c'est 3 ans. Faites attention quand même, parce que souvent, on oublie de le faire, parce que justement, on a un auteur qui n'est pas identifié, qui a une plainte, il y a des difficultés, on prend son temps, et puis au final, le temps passe et les 3 ans sont passés. Donc, attention, on peut saisir ce fonds de garantie, mais surtout, n'attendez pas trop longtemps, car au bout d'un certain temps, entre 1 an et 3 ans, c'est trop tard. Ainsi s'achève notre émission, lors de laquelle il y a certes des problématiques, des problèmes, mais surtout, des solutions.